La parole est à Geneviève Guérigos. Merci, Monsieur le maire. Vladimir Poutine est entré dans son 4e mandat le 17 mars dernier. Je n'ose dire élu, tant la mascarade de ce 17 mars n'était en rien une élection démocratique, qui a conduit d'ailleurs l'Assemblée du Conseil de l'Europe à appeler à le déclarer illégitime. Bien sûr, il y a l'agression de l'Ukraine. J'ai une pensée pour les victimes du bombardement d'ailleurs d'hier d'un hôpital de Kiev qui a fait encore de très, très nombreuses victimes. Bien sûr, il y a un mandat d'arrêt international émis par la CPI pour crimes contre l'humanité. Et si Poutine est une menace pour la paix internationale, il n'en est pas moins un despote pour son propre peuple. Persécution de ses opposants et opposantes. J'ai une pensée, comme l'a rappelé mon collègue Jean-Luc Romero, pour Alexis Navalny, décédé le 16 février dernier dans une colonie pénitentiaire de Poutine. Je pense également aux 20 000 personnes détenues arbitrairement en raison de leur opposition à la guerre, aux centaines de prisonniers et prisonnières politiques dont la liste s'allonge, condamnés à des peines de prison pouvant atteindre 25 ans, peines qui n'avaient pas été appliquées depuis l'époque de Staline. Ilya Yashin est l'un de ceux qui ont été condamnés en 2022 à 8 ans et demi de prison de colonie pénitentiaire pour dénonciation de l'invasion de l'Ukraine. Mais il y a aussi la persécution des médias libres, des associations, qualifiées d'agents de l'étranger pour mieux les dissoudre, pour mieux les persécuter. Tel Mémorial, co-lauréate du prix Nobel de la paix en 2022, et son dirigeant, le défenseur des droits humains, récipiendaire du prix Sakharov 2009, Oleg Orlov, condamné une fois encore à une peine de prison de 2 ans et demi. Mes chers collègues, en attribuant la citoyenneté d'honneur à Ilya Yashin et Oleg Orlov, nous nous réaffirmons notre engagement pour la liberté d'expression, d'association, de manifester, l'ensemble des droits et libertés qui fondent l'état de droit, et nous réaffirmons également que nous soutiendrons toujours celles et ceux qui se battent pour la liberté, que leur liberté est la nôtre. Je vous remercie. Merci Geneviève Guérigos.